on la croise ou quand on est à l'arrêt devant, principalement, c'est ces globes de phare, qui sont des globes de phare de chevaux. Et après, visuellement, on a la forme arrondie de devant, les ailes galbées arrondies. Après, pour les connaisseurs, ils voient le ventilateur au travers, ils voient son fameux châssis de deux chevaux en dessous. Et si on la démarre, ben, elle fait le bruit de ses deux chevaux. Hein. Pendant longtemps, il ne jurait que par les bolides japonais qu'il importait d'Angleterre. Mais depuis quelques années, Virgile Perrin se passionne pour la deux chevaux recarrossée Burton, qui transforme la deux pattes en voiture de sport. Là, on travaille sur une nouvelle Burton, donc son châssis de deux chevaux qui est en dessous. Quand on reçoit les coques, elles arrivent teintées dans la masse, donc dans des caisses. Et on commence à assembler en fait comme un gros puzzle ou un gros mécano. C'est un mécano pour adultes en fait. Hein. Principalement, on démarre de ça. On vient après y coller les essieux, la mécanique de deux chevaux, sa boîte de vitesse, toute la partie carrosserie. Et après, c'est toute l'accessoirie. Les clients choisissent sa demande en fait. La plupart des Burton qu'on crée dans nos ateliers ont des portières, car les clients en fait sont des personnes âgées et ont du mal de rentrer dedans. Donc l'idée est venue de couper la voiture. Y créer des renforts et créer tout un système de fermeture. Donc on a à peu près une dizaine de prototypes pour avoir un système qui fonctionne correctement. Et là, on a quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. C'est optimal, c'est facile à rentrer dedans. Et puis, à refermer. On est constructeur pour la France, donc on a une homologation, on a une carte grise qui est modifiée. Elle garde bien son nom de chevaux, en fait, avec son année de création. Mais la carte grise est recarrossée, en fait. Elle passe en deux places, avec une annotation Burton cabriolet. Coût de la transformation, environ 20 000 euros. Et 10 mois d'attente minimum. L'atelier de Virgile ne désemplit jamais. Une Burton, ça se mérite.